Allez, c'est parti. Écran vert, lumière, micro. Ok, ok, à un moment donné. Faut se lancer. Je m'étais acheté ça accessoirement pour les accessoires. Je m'en sers pas. J'ai un écrit dessus, on s'en fout. Et voilà, donc, le vlog d'une vie première. C'est parti. Cette série, pourquoi? Pour expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant, ce qui m'a amené à en être là aujourd'hui. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai sorti un premier roman fantasy, Sorcière Aspique et le Château des Sortilèges. Je me suis démarché de manière autodidacte, en dédicace essentiellement dans les magasins Cultura. J'ai vendu à peu près 1000 exemplaires. Je suis arrivé deuxième au Salon du Livre à Paris, avec le concours Amazon Speed Dating. Ensuite, j'ai fait quelques expositions avec mes tableaux numériques, je travaille sur Photoshop. Donc j'ai fait une première exposition au Village Suisse à Paris et une deuxième exposition Carousel du Louvre avec le Art Shopping. Maintenant, je me développe dans différents projets, notamment deux projets rap, le LW Rap, la Minute Rap, des projets poker, gaming, mais ça sera vraiment que pour le plaisir. Partir sur différents horizons, des vlogs en tout genre, voilà, tout simplement profiter, kiffer de la vie, vivre à fond un maximum d'expériences dans cette vie, sans prise de tête. Pour moi, il n'y a aucune concurrence, ou le sens où on est là avant tout pour se faire kiffer, on n'est pas là pour se combattre les uns les autres. Je pense qu'on est plus là, au contraire, pour s'entraider, s'apporter des choses les uns les autres, plutôt qu'autre chose. 8 milliards de personnes sur Terre, ou presque. Je pense que tout le monde a, en fin de compte, son public quelque part. Avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, Internet et compagnie, à partir du moment où on publie assez régulièrement, on reste sincère dans les choses qu'on peut faire, que l'on peut dire. Et au final, tout simplement, esprit libre. Être libre de penser, d'agir. Si on s'en donne les moyens et qu'on s'autorise à faire les choses, bah, finalement, il y a quand même moyen de pouvoir y arriver. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit, des phrases intemporelles qui deviennent compréhensibles quand on les comprend. Et voilà, tout simplement. Donc comment j'en suis arrivé là? En fait, à la base, c'était parti d'un accident, été 2001. J'ai voulu faire un super dunk sur un panier de basket. J'étais avec des potes, en plein été. J'ai voulu monter sur un banc pour pouvoir aller atteindre le cerceau. Je me suis accroché au cerceau, mes mains ont glissé. Du coup, je me suis retourné, je suis parti à plat. M'éclater en fait tout simplement sur le sol, ma tête a tapé au sol. À ce moment-là, il y avait le père d'une amie qui était médecin qui m'a recousu le menton. Ensuite, j'étais avec un ami, la tête commençait à tourner. Ça allait pas et du coup, on était en direction d'aller à l'hôpital et mon pote a arrêté une bagnole. Le mec croyait qu'on s'était battu. Au moment où je suis monté dans la voiture, j'ai perdu connaissance. Il m'a emmené à l'hôpital et à ce moment-là, je me souvenais pas de tout ça. Pour moi, j'étais là en train de faire du basket avec mes potes et le temps de faire un clignement des yeux, clac, dans une pièce sombre, noire, il faisait noir, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je regarde sur ma droite, je vois un lit d'hôpital. Étrangement, j'ai pas eu plus peur que ça. Je me suis dit, bon, si je suis là, il y a une raison. Je me suis levé, je suis allé ouvrir la porte. Je regarde un long couloir. Là, il y a un infirmier qui arrive, m'explique que j'avais eu un accident de basket dans l'après-midi. Parce que sur le coup, bah, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Impossible de me souvenir. D'après, dans la semaine, mes amis, la famille sont venus. À chaque fois, ils m'expliquaient. Je demandais qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, c'est les souvenirs que j'en ai aujourd'hui. Hein. Et il m'expliquait l'accident de basket. Et donc après, sur le moment, je me souvenais. Et quelques minutes après, je me rappelais plus. Je redemandais comme ça en boucle plusieurs fois. Vers la fin de semaine, je commençais à me souvenir que je leur avais déjà demandé. L'hôpital, ils ont fait des scanners. Ils ont vu qu'il y avait apparemment rien de spécifique. Donc ils m'ont dit, faut libérer la place. Je suis sorti de l'hôpital comme ça. J'étais un peu, je sais pas trop où j'étais vraiment. J'avais plus de sensations corporelles. C'est-à-dire que je sentais plus du tout mon corps. Et là, j'ai commencé, bah, forcément, à me poser vraiment des questions. À ce moment-là, je me rappelais de l'accident, mais je sentais plus du tout mon corps. Au final, j'avais l'impression d'être dans ma tête et d'être derrière mes yeux, comme si que mes yeux c'était deux hublots. Je me visualisais derrière, comme si que j'étais comme un pilote dans son cockpit aux manettes. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu la sensation et ressenti que ce corps en fin de compte était qu'une machine, une machine humaine. Un déclic, ou en tout cas une perception des choses, comme quoi on était des esprits incarnés dans des corps pour vivre différentes expériences. J'ai commencé à me poser énormément de questions et essayer de comprendre tout ça. Donc cet aspect de me sentir comme ça, de pas sentir mon corps. Quand j'avançais, ce qui était étrange, c'est que mon corps faisait ce que je pensais. C'est-à-dire que j'étais là, derrière ses yeux, comme ça. Et tout ce que je pensais faire ou vouloir faire, le faisait, en fait, tout simplement. Comme on fait tous les jours, naturellement. Sauf qu'en même temps, on ressent les choses. Bah, c'était ça, mais sans ressentir les choses. D'où cette perception d'être vraiment à l'intérieur de ce corps et de ressentir
comme si c'était une machine, quoi. Donc ça a duré à peu près 3 mois avant que je commence à vraiment ressentir les sensations. Quand on vit un accident, forcément, on remet la vie en question. En tout cas, on prête plus attention à cette notion de vie et de mort. Il se passe tellement de choses dans la vie de tous les jours. Le corps humain, il est tellement fort et fragile à la fois. C'est impressionnant. Je me dis que j'aurais très bien pu taper différemment. J'aurais pu avoir de vraies séquelles, peut-être avoir un handicap moteur ou je sais pas. J'aurais pu aussi faire une hémorragie interne et puis être là aujourd'hui. Et sur le moment, j'ai vraiment cette notion de vie et de mort qui me frappe fort à l'esprit. Du coup, la vie prend encore beaucoup plus d'importance, de valeur. Elle prend beaucoup plus d'intérêt. Ça crée un déclic dans la perception de voir les choses. On les comprend différemment. Ça a un impact sur ce qu'on peut faire autour de nous. Et puis pour nous aussi, j'ai un moment de silence où je suis plus dans l'écoute, dans l'observation, plus dans l'attention, dans la captation, de faire attention à ce qui peut être dit et fait pour vraiment aller dans l'essence même des choses, s'ouvrir sur les choses qui nous intéressent vraiment, de connaître en nous les choses qu'on ne sait même pas de nous en fait. On arrive dans un monde où on doit apprendre à vivre en fonction de certains codes, du code de la société. Donc on nous apprend à vivre par rapport à ce monde, mais pas par rapport à nous-mêmes. En tout cas, voilà, il y a eu ce rapport entre la vie et la mort qui m'a donné un déclic certain. C'est devenu une mission pour moi de savoir ce pourquoi j'étais là. Accomplir les choses que j'avais vraiment envie de faire dans ce monde pour arriver à exploiter au maximum cette incarnation et vivre un maximum de choses, profiter au maximum de cette vie. Et à partir de là, j'ai commencé à m'acheter une basse, à jouer, à ressentir la musique. Puis j'ai commencé à écrire des textes. Ensuite, comme j'avais mon frère qui chantait, mes potes étaient dans la musique, ils me disaient « Vas-y, ça te dit, tu peux peut-être faire le chant toi aussi, t'écris des textes. » Du coup, j'ai commencé à travailler mon écriture plus par rapport à de la musique, à du chant. Donc les premières expériences musicales, c'était plus en milieu métal, avec la voix saturée. Au début, je vous cache pas que je me cassais bien la corde vocale. Ça braillait dans le micro, à un moment donné ça splittait. Je suis parti à ce moment-là, par rapport à mes textes, plus dans un délire où j'ai voulu faire des illustrations en découvrant Photoshop. C'était quelque chose d'énorme. C'était un outil qui nous permettait de créer des choses, mais à l'infini, changer, modifier, modeler, transformer. Il n'y avait aucune limite. On pouvait agrandir, rétrécir, zoomer autant de fois qu'on veut. Il y a eu cette notion d'infini, en fait, qui m'a beaucoup parlé par rapport à ce logiciel. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à essayer de travailler dessus. Alors à l'époque, j'ai voulu me faire une formation, mais c'était beaucoup trop cher. Il n'y avait pas toutes les plateformes comme YouTube aujourd'hui, avec tous les tutos pour apprendre, tout ça. Donc c'était un peu long, périlleux, l'apprentissage. Au final, j'ai réussi à me l'approprier d'une certaine manière. C'est ce qui va me permettre plus tard de pouvoir me faire différentes pochettes pour la musique, différentes choses, ou aussi bien les images pour les sites internet que je pourrais faire plus tard. À un moment donné, il y a aussi mon cousin Nico qui vient me rejoindre là-bas, et tous les deux on va faire un peu de musique, lui à la guitare, moi à la voix toujours, et on va rencontrer un pote, Anthony, avec qui on va pouvoir tous les trois faire quelques répétitions en studio sur Ruby Sinclair, sur Caen, et on va pouvoir triper, faire de la zik. Franchement, ça reste un très bon souvenir pour moi, et voilà, ça me permet encore à ce moment-là de continuer d'expérimenter la musique. Donc après ça, j'ai voulu faire du théâtre. Ça a été quelque chose pour moi de révélateur, pour m'aider à m'ouvrir, mais aussi pour me développer tout simplement, même sur le travail de personnages, des scénettes, du décor, de la mise en scène, tout ce genre de choses. Pendant ces années de théâtre, ça va être dans la deuxième ou troisième année, moi je suis vachement cinéma, cinéphile, j'adore tout ça. J'ai voulu faire un petit peu de figuration, donc je me suis inscrit à des castings et je me suis retrouvé donc à faire la figuration pour le téléfilm À la recherche du temps perdu. Super cool de voir un petit peu comment ça se passe dans l'arrière du décor, hein, avec les préparations, les costumes, tout ce qui se passe tout autour avec les caméramans, les réalisateurs. D'ailleurs, pas longtemps après, j'ai fait aussi pour le film Intouchable, où j'ai pu rencontrer François Cluzet, Omar Sy. Ben voilà, c'est des gens qu'on voit souvent à la télé et ça fait plaisir de pouvoir les voir en vrai et d'être au milieu de tout ça, de ces réalisateurs. Très bon souvenir, super cool. Je pense que j'en ferai d'autres plus tard. On verra comment ça se passe. Peut-être que j'aurai d'autres opportunités. Un jour, entrer aussi dans le cinéma, ça serait vraiment super cool. Mais bon, pour l'instant, j'en suis pas là. C'est pour plus tard. J'étais à fond dans mon ordi, Photoshop, compagnie. J'écrivais mes textes pour moi, qui à ce moment-là était plus une sorte de livre. Je savais pas trop encore ce que ça allait être, ce que ça allait devenir. Voilà, continuer à écrire les choses de la manière dont je les voyais depuis que j'ai eu justement cet accident. C'est vrai que j'avais toujours aussi cette expérience de musique qui était dans un coin de ma tête. J'ai mes potes de Paris avec qui j'avais fait mon premier groupe de métal à l'époque, qui me rappellent. Et là, ils étaient plus partis sur un délire rap trash. J'ai retravaillé la phase
une nouvelle phase d'écriture qui était justement côté rap avec le flow, les rimes. Après, ça n'a pas duré non plus très très longtemps. Donc à ce moment-là, c'était une nouvelle expérience pour moi. Quand je suis reparti sur Caen, j'ai voulu continuer cette écriture dans le rap. J'ai voulu faire un nouveau projet basé cette fois sur une histoire qui du coup était en même temps vouée à devenir un roman. C'était même parti pour être sur 3 volumes. Et en fait, je voulais aussi le faire en musique avec différentes phases. Sauf que c'était encore trash. C'était une histoire à base d'histoire d'horreur, tout ça. Donc après, il y avait un bon fond derrière. Mais ça n'empêche qu'il y avait beaucoup de scènes trash. Forcément, quand on pense à beaucoup de ce genre de choses, la nuit, on fait ce genre de rêve. C'est pas mon délire, en fait, tout ça. Et j'étais pas encore assez à fond dedans. Alors après ça, c'est là où je suis parti sur le roman Sorcière Aspic et le Château des Sortilèges. C'est parti d'une histoire, d'un spectacle que j'ai réalisé avec des jeunes dans un centre de loisirs, où je travaillais en tant qu'animateur. L'idée a plu, du coup, j'ai voulu en faire une petite histoire illustrée. Finalement, je me suis pris au jeu, j'ai développé, franchement, de manière complètement autodidacte. J'ai jamais fait de formation, littérature ou qu'est-ce ou quoi. Et voilà, ça a donné un premier roman. Je me suis vendu en dédicace dans les magasins Cultura essentiellement. J'ai vendu en gros à peu près 1000 livres. Donc franchement, j'étais super content. Ouais, super fier, je peux le dire, super fier de moi parce que ça n'a pas forcément été évident. Quand j'étais plus jeune, l'école c'était pas forcément pour moi et le français j'avais tout le temps que des zéros. Je me rappelle derrière une fois que j'avais fait une rédaction, j'avais eu des bonnes idées. La prof m'avait dit ah t'as des bonnes idées mais plein de fautes donc zéro. C'est pas forcément le genre de choses qui encourage à vouloir se développer là-dedans. Voilà, j'ai beaucoup d'imagination donc fur et à mesure des choses, ça m'a amené naturellement à écrire quand même des histoires comme quoi tout reste possible à partir du moment où on s'empêche pas, où on se met pas de barrières, où on s'enlève les barrières que les autres peuvent nous mettre. D'ailleurs, j'ai voulu participer une première fois au Salon du Livre de Paris, le Salon du Speed Dating d'Amazon. La première fois, je l'ai raté. J'y suis retourné en simplement changeant la couverture, le titre, en remaniant un petit peu l'introduction, quelques petites choses de l'histoire générale. La deuxième fois, donc, j'y suis retourné, je suis arrivé deuxième. Sauf que la fois d'avant, il y avait des choses pour les 3 premiers. Et cette fois où je suis arrivé deuxième, il y avait quelque chose, mais que pour le premier. Pour les autres, il y avait juste une petite vidéo, mais rien de très concret, quoi. Ensuite, avec tous les différents tableaux, les différentes créations que j'avais pu faire sur Photoshop, j'avais quand même envie d'aboutir un petit peu ça. Et c'est là où je suis parti, du coup, sur des expositions, mon village suisse à Paris, et une deuxième exposition, Carousel du Louvre. Après ça, j'avais toujours cet aspect écriture, avec les rimes, voilà, qui était là. J'avais envie de faire quelque chose, mais quelque chose qui me corresponde vraiment, qui corresponde à mes idées, par rapport à ma vision des choses, par rapport à comment j'ai envie de m'exprimer de manière positive, et que ça rejoigne un peu à la base mes textes par rapport à ce que je pouvais écrire. J'ai cherché, à un moment donné, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas le slam, pourquoi pas. Donc je suis parti là-dedans, comme tout projet, à un moment donné, il faut se lancer. J'ai voulu faire une première scène ouverte, organisée par le collectif 129H, c'était au Loup Pascalou, il me semble. C'était super cool, j'y suis allé, on va dire, un petit peu comme ça, à l'arrache, pour tester. Première expérience avec un bon ressenti, franchement, j'étais super content. Le problème avec le slam, c'est que c'est beaucoup de voix off. J'ai tout simplement besoin de musique pour pouvoir accompagner l'élan, pour pouvoir être plus dedans. J'ai de l'énergie à revendre. En fin de compte, c'était une fois de plus le rap. C'est ce qui collait le mieux, en fait, tout simplement. Il y a eu ce kiff, voilà, de balancer les textes avec les purs sons derrière, les beats, tout ça. Et c'est clair que à partir du moment où je kiffe, c'est la seule chose qui compte. Pas besoin de se prendre la tête. D'ailleurs, dans mon projet principal rap, j'aimerais être dans un genre de fusion, en fait, avec des gros sons beats et des sons guitare derrière. Essayer de faire une alchimie comme ça, à base de hip-hop, pop-rock, de m'y retrouver aussi par rapport à mes différentes influences. Mon kiff, tout simplement. Les années passent trop vite. J'ai eu pas mal de galères, comme beaucoup de gens. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis de construire mon identité, d'amener la matière dans mes textes par rapport à toute ma réflexion et mon vécu aussi. Parce que c'est pas seulement lié par rapport à mon accident, ce genre de choses, le vécu de la vie de tous les jours. Il a bien fallu vivre aussi. J'ai fait différents métiers. J'ai commencé à travailler en tant que pâtissier. J'ai travaillé comme serveur en restaurant gastronomique. J'ai été ouvrier dans différentes entreprises et usines. Mais le métier où j'ai plus travaillé, c'est dans l'animation. J'ai fait ce travail uniquement pour vivre. Ah, toi aussi. M'arrêtez les gars, vous avez kiffé. Et donc voilà, j'arrive à ce moment-là. Je suis à cet emploi justement où je travaille dans ce foyer de jeunes travailleurs. Je suis avec une compagne. Il y a le Covid qui arrive. On se retrouve du coup à la maison. Donc pour moi, c'était super cool parce que ça me permettait de pouvoir me remettre à fond dans mes projets. Donc ça déjà, c'était quelque chose en même temps que j'avais l'habitude de faire, sous le sens où quand je travaillais dans différents métiers, je suis jamais resté 10 ans à part dans l'animation. Et j'ai toujours travaillé un certain temps pour pouvoir cotiser, avoir assez de chômage pour pouvoir justement quitter mon job et me mettre à fond dans mes projets pour pouvoir comme ça au fur et à mesure les avancer. Quand il n'y avait plus de moyens, obligé de retourner travailler, donc les projets stagnaient. Je rechargeais mes ressources. Une fois que j'avais rechargé mes ressources, c'était le travail. Je me remettais au travail dans mes projets, ça remontait et ainsi de suite. Ça me va. Ce qui a demandé
demander en fin de compte plusieurs années, mais en même temps toutes ces expériences à côté, ça nourrit forcément l'expérience de la vie en général, les rencontres qu'on peut faire, ça permet de mieux comprendre les choses aussi quand on les vit de l'intérieur, qui en fin de compte me mène à avoir différents points de vue, différentes perceptions des choses pour la construction même de personnages dans mes romans, dans les histoires que je peux écrire, inventer, tout ça quoi. Donc pour reprendre là où j'en étais, je suis avec ma compagne, Covid, du coup je renouvelle pas mon contrat, de toute manière c'était prévu. J'ai commencé à faire mon premier studio, c'est là où j'ai commencé à acheter du matos, je me suis racheté un ordinateur, je me suis racheté des micros, des lumières, un écran vert, tout plein de matos, un stream deck, carte son, tout ce genre de choses pour pouvoir faire des vidéos sérieusement, mais déjà YouTube et tous les fameux tutos que j'avais pas à l'époque, donc pour pouvoir justement m'auto-former sur tout ça, hein, voir quel genre de matériel il fallait, des comparatifs pour essayer d'avoir la meilleure qualité prix, c'est-à-dire pas acheter de bas de gamme, maintenant pas mettre non plus une blinde, parce qu'il y a tellement de matériel à acheter, c'est vite un gouffre, on n'a pas forcément les moyens de se payer tout ça, donc ça aussi, ça a été comme ça en fait, le matériel est venu petit à petit. Alors à ce moment-là aussi, moi je commence aussi à me développer dans le poker. Je tombe sur une des vidéos audio virale qui explique bien le concept, qui derrière en fait il y a de la vraie technique, il y a du vrai jeu sur le long terme pour justement pallier à cette variance de bad beat et qu'en fin de compte elle est même nécessaire pour être gagnant sur le long terme. Et je commence à avoir la vision du jeu d'une autre manière et je me dis pourquoi pas, et à partir de ce moment là je commence à me lancer dans la formation poker pro de Yo Viral et je commence à me former en fait au poker tout simplement. Donc là ça va être surtout plus sur l'aspect théorique, je commence un petit peu à jouer à un point de départ en fait par rapport au poker. Donc en fait à ce moment là je quitte mon taf, il y a le Covid, on est enfermé dans cet appart, à un moment donné il y a un ras-le-bol, on s'est dit vas-y on se casse du nord, tout le nord de la France c'est les trois quarts de l'année c'est gris, bah, sinon il y a de la pluie, franchement on en avait trop marre, on voulait partir dans le sud. On a cette envie quand même d'aller en bord de mer qu'on trouve dans le sud du côté de Narbonne, sauf que le déménagement ça se fait pas comme ça, quand on est arrivé il a fallu faire des travaux, tout ça bah ça a encore duré une année, donc nous revoilà. À la fin de cette deuxième année, mes travaux sont terminés, j'ai mon studio, je commence à me préparer la sortie de mes premières vidéos rap, voire aussi travailler mon poker à côté plus intensément, enfin commencer à vraiment grinder, parce que je viens tout juste de finir la formation de poker pro, et du coup, bah, à un moment donné, il faut passer à la pratique, parce que sinon, bah, on fait que répéter des erreurs. Et donc au moment où j'étais enfin prêt, mon studio, j'avais plus qu'à faire ma musique, mon poker, bah, en fait, on s'est tout simplement séparé avec ma copine, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la rue, dans ma caisse, voilà. Je voulais pas repartir dans le nord, sur Paris, c'était mort. J'ai un ami du coup qui était dans le sud, qui était à 3 heures je crois de Narbonne à peu près, sur la côte d'Azur. Je suis parti, j'ai fait deux allers-retours avec ma caisse pour pouvoir emmener les affaires que j'avais. Donc je les ai entreposées chez lui. Il a pu m'héberger 3 semaines. J'ai fait au moins 15-20 lettres de CV. J'ai été postulé dans l'animation parce que l'animation, j'ai travaillé 10 ans dans l'animation, c'est là où j'avais le plus d'expérience. Je suis arrivé fin mai, début juin. Au bout d'une semaine ou deux, j'ai trouvé du travail direct à 1h15 de chez lui. Ce qu'il faut savoir sur la côte d'Azur, c'est que c'est la mer, mais c'est les montagnes aussi, ça monte très vite. Moi, à ce moment-là, ma caisse, elle était morte, les pneus étaient morts, les plaquettes, elles étaient mortes. Ça faisait 2h, 2h30 de route, aller-retour tous les jours, c'était juste pas possible. Et si je voulais m'installer sur place, moi, c'est mort, je voulais vraiment être en bord de mer, quoi. Je voulais pas être dans les terres, dans les montagnes, c'était pas possible. Donc, j'ai trouvé un boulot. Franchement, les pieds dans l'eau, au bord de mer, j'ai travaillé pendant 2 mois. J'y arrivais tous les matins, ma vue sur la mer, c'était juste magnifique, extraordinaire. Ciel bleu, soleil tous les jours. Pff, oh là là, magnifique. Ce que j'avais toujours rêvé. J'essaye de voir avec les collègues s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'héberger. Pour trouver un logement, c'est hyper compliqué, surtout sur la côte d'Azur en plein été. C'est même pas la peine, tout est pris. Donc voilà, je suis aménagé un matelas gonflable dans ma caisse. Heureusement, j'ai la banquette arrière en fait qui se déplie. Il y avait une trappe là sous le coffre où je pouvais mettre justement des affaires de rechange. Je m'étais prévu d'aller me doucher soit en allant à la piscine, profiter des douches de la piscine, prendre des douches dans les douches des campings tout simplement. Et en fait, j'avais bossé quelques jours avant pour préparer la saison. Et en discutant avec des responsables, on finit par trouver une personne qui a accepté. Let's go, c'est parti. J'ai même pas fait de nuit dans ma caisse. Franchement, c'était un truc de ouf. En plus, avec la chaleur, j'aurais crevé de fou dans ma caisse. Je me suis retrouvé dans une villa avec une piole, salle de bain, toilettes, tout séparé. C'était à ses enfants qui avaient grandi et étaient partis, du coup c'était dispo. Je suis tombé sur une personne en or. Avec le temps, bah, après on est devenus amis et puis bah, on s'est entraidé. Hein. Je serai toujours là pour lui, il n'y a aucun souci. Donc en fin de compte, je me suis retrouvé dans une situation où il a fallu travailler pour pouvoir justement me sortir de là. Donc j'ai travaillé les 2 mois. Au bout de ces 2 mois, je suis reparti travailler dans l'animation, dans les écoles à la rentrée en septembre. 3e année à devoir travailler par rapport à mes projets perdus en fait. C'est comme ça. J'ai pu mettre des sous de côté. La fin
fin de cette année-là, j'ai pu retrouver un appart. Avec les sous que j'avais, j'ai pu emménager l'appartement qui était vide. Ce qui fait que tous les sous que j'avais, c'est vite parti. Ce que j'ai fait dans cette année-là aussi, bord de mer, ça faisait longtemps que je voulais passer mon permis moto. Du coup, j'ai commencé avec la petite formation 125. Et 3-4 mois après, j'ai enchaîné avec le permis moto. Donc voilà, super cool. Maintenant, ça y est, j'ai mon appart. J'ai mon troisième studio, sauf que cette fois, je suis tout seul. Personne pour m'embêter, pour parler poliment. Personne pour me foutre à la rue. Maintenant, je suis chez moi. La liberté. Franchement, ça n'a pas de mots. Forcément, c'est bien quand on est accompagné, qu'on est avec quelqu'un qu'on aime. Et c'est vrai que être tout seul, à un moment donné, ça pèse un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. À un moment donné, il faut savoir faire des choix. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Les années passent. Le temps passe trop vite. Trop vite. J'ai tout ce qu'il faut. Tous les moyens à ma possession maintenant pour vraiment commencer à me lancer, à faire des choses sérieusement. Sauf qu'il faut continuer à vivre. Donc là, normalement, je vais avoir le chômage. Je ne sais pas pendant combien de temps. Mais j'ai plein de projets qui se mettent en place. J'ai besoin d'argent. Donc la moto, c'est super, franchement, c'est génial, mais je vais refaire une vidéo avec pour alimenter mes vlogs. Mais là, je suis en train de la revendre pour récupérer des sous et me permettre de me développer justement dans mes projets. On va dire que le projet principal aujourd'hui au niveau rap, c'est la mini trap, parce que c'est ce qui va me permettre de diffuser un maximum de vidéos, de créer une communauté. Le but, ça va être d'écrire des textes en direct le lundi soir, faire le montage dans la semaine et publier ça, une vidéo toute la semaine en fait. Ça va être l'éventail ouvert en fait, sur vraiment les différents aspects de la vie. Essayer de rencontrer de nouvelles personnes en faisant ces vidéos-là. Moi je suis tout seul encore une fois, il a fallu que j'apprenne à me servir rapidement des FL Studio. Par rapport à la voix, encore une fois, c'est encore un métier à part entière. Moi je suis pas beatmaker, je suis pas du tout ingé son, donc j'essaye de faire comme je peux. Je m'enregistre comme je peux pour avoir, on va dire, une voix propre, on va dire. Même si je sais très bien que je peux faire beaucoup mieux. C'est comme ça, je fais avec. J'ai acheté une caméra aussi. Le montage, ça va pas se faire tout seul. Donc je me suis aussi formé sur Adobe Premiere Pro. Là, je dis merci à Udemy. Franchement, avoir des formations à 10 balles comme ça en ligne, c'est encore quelque chose à notre époque qui nous permet de se développer et qui nous peut enfin nous permettre de nous ouvrir les portes et d'avancer. Ce que j'espère avec les vidéos, ça va être de rencontrer des beatmakers et pouvoir travailler avec eux. Je leur envoie les voir. Si eux derrière, ils peuvent faire un truc aux petits oignons, ça serait super cool. Comme ça, c'est donnant. Moi, ça me permet d'avoir du son, d'avoir une bonne voix. Et au travers de nos projets, leur permettra de faire diffuser leur son. Parce que forcément, je mettrai leur nom, leur place, je mettrai leur chaîne, les liens qu'ils auront envie. Et voilà, créer des liens et s'apporter des choses mutuellement. Parce que j'ai vu des beatmakers et forcément, moi, c'est temps, c'est bon, les gars. Moi, pour l'instant, j'ai pas une thune, vous avez pas une thune non plus, donc je comprends aussi. Voilà, donc chacun se démerde. Moi, j'ai des instrus. Donc, si personne veut bosser avec moi, tant pis. Moi, je me servirai de ces instrus-là. Et si demain, je commence à créer une communauté, forcément, ça commencera à les intéresser. Et puis, on commencera à bosser ensemble à ce moment-là. S'il faut attendre, on attendra, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, c'est kiffer, se développer. C'est la seule chose qui compte. Et se donner à fond, à 1000%. Et qu'en tout cas, ça m'aura apporté une superbe expérience, voilà, de vivre tout ça, de créer tout ça. C'est vraiment génial. Là, je vais me remettre aussi à fond dans le poker. Parce que, contrairement à la musique, vraiment moyen de faire des sous avec. Donc, c'est ce qui me permettrait d'avoir des revenus. On verra. C'est clair que je vais mettre sérieusement. Je vais m'attaquer à une deuxième formation avec Baku Hugo qui ont créé la Rolling Team. Eux, ils sont plus développés sur l'aspect cash game, live, jouer dans les casinos. C'est vrai que j'ai pas eu le temps encore de me développer plus que ça justement en fait dans le online, commencer à créer une bankroll. Maintenant, c'est vrai que je suis tout le temps sur les écrans. C'est qu'à un moment donné, j'ai les yeux, ils sont explosés. Et grinder sur les tables 8h, 9h par jour, c'est chaud. Plus le temps des montages vidéo, c'est chaud. Donc je me dis pourquoi pas aller me lancer dans le live. Ça sera encore une autre courbe pour évoluer. Quand on est sur du online, on joue sur 6 tables, 8 tables, 10 tables, 12 tables en même temps. Donc on fait des milliers de mains à l'heure. Mais en même temps, moi, je suis encore dans les débuts, sous le sens où j'ai appris l'aspect technique et j'ai besoin de le travailler. Et pour ça, la compréhension du jeu sur la table, tout ce qui est aspect technique, mais aspect aussi profiling avec les joueurs. Et pour ça, il faut vraiment être focus sur la table, sur les joueurs. Et quand tu as 10 tables ouvertes, se focaliser comme ça sur 10 tables, c'est juste impossible. Donc je me dis que ça peut être une bonne opportunité
opportunité pour moi en fait de me lancer dans le live pour vraiment focus mon apprentissage. En plus, on est dans le vrai, donc du coup, je suis pas tout seul derrière mon ordi. Il y aura des interactions avec les autres joueurs, mais apprendre à utiliser le jeu en fait qu'on a par rapport à l'image de soi, à notre façon de jouer, à l'image qu'on veut renvoyer pour justement pouvoir contourner le jeu, entrer dans des bluffs ou pas, entrer dans l'aspect technique, mental, les différents aspects du poker qui sont vraiment très intéressants. Si en plus on peut me faire voyager, faire gagner ma vie comme ça, bah pourquoi pas, allons-y, hein, c'est clair et net. C'est compliqué, ok, je fais du rap, ouais, bien que c'est un milieu de requins aussi. Arriver à en vivre, ouais, c'est du rêve, redescendre les pieds sur terre, pourquoi pas, j'en sais rien. Vivre du poker, ouais, non, c'est pas possible, c'est compliqué, c'est pas possible, ok. C'est vrai que pendant que j'étais dans ma formation avec l'hypnothérapie, à un moment donné, c'est vrai que j'étais tellement dedans que je me suis dit pourquoi pas ouvrir un cabinet. Et en fin de compte, ça peut être une possibilité si vraiment tous les projets n'aboutissent pas. Maintenant, je vais tout faire pour que ça arrive. Maintenant que je suis de nouveau dans mon studio, pour l'instant, en fait, c'est mort. Enfin, sous le sens où faut choisir, on peut pas tout faire, hein. Je peux pas faire du rap et du poker et un cabinet en hypnothérapie, mais j'ai plus envie de garder cet aspect là pour moi et pour les gens avec qui je serai. On va pouvoir travailler notre mindset avec ça. Ça pourrait peut-être aussi m'ouvrir des portes avec des joueurs plus compétents pour que ça soit dans un rapport donnant-donnant. Quoi qu'il arrive, je sais que c'est plein d'outils que la vie nous apporte. On a tellement de choses à apprendre et tellement de choses à se développer dans ce monde. D'ailleurs, un jour ça serait bien dans le futur où on apprend le magnétisme et l'hypnothérapie justement dans le cursus scolaire. Je pense que c'est des choses qu'on devrait tous savoir en fait, qu'on devrait tous connaître. En bref, voilà le petit tour d'horizon par rapport à ce que j'ai pu faire, ce qui a pu m'arriver, là où j'en suis aujourd'hui. C'est donc un nouveau départ, c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre, de ces nouveaux projets. De 3 ans là que je suis motivé à faire ce projet là. Maintenant, ça reste un axe de progression. Il est évident que depuis 2 ans, avec tout ce que j'ai pu faire, j'ai pas pu travailler le texte, la voix, ce genre de choses, mais c'est pas grave. En faisant une minute rap toutes les semaines, le texte, ça va vite revenir. La voix, faire des exercices vocaux, travailler le flow avec des nouvelles instrus chaque semaine. Je pense que je vais forcément le développer, évoluer, et puis ça ira au fur et à mesure en crescendo avec les vidéos, tout simplement. Encore une fois, pas prise de tête, pas besoin de se mettre de pression, ça sert à rien. Le but premier, c'est vraiment de kiffer, de partager. J'ai hâte de pouvoir commencer les live streams le lundi soir. Vis-à-vis de ça, normalement, c'est prévu pour être tous les lundis soirs, maximum de lundis soirs en tout cas. Et à ce moment-là, si je avec des beatmakers, des gars qui sont dans le son, je pourrais capter la voix, leur envoyer, comme ça sera beaucoup plus simple. Une meilleure qualité aussi. Au niveau du son traité sur les logiciels de musique. Quoi qu'il arrive, bah, j'essaie de faire le maximum que je puisse faire, de pas laisser en tout cas un temps trop long entre les deux. En tout cas, s'il y a des lundis où il n'y a pas de live stream, tâchera de se rattraper en tout cas, de proposer d'autres choses. Esprit Libre Web, c'est plein de contenus différents. Donc s'il y a des semaines où je suis pas là et que je fais pas de live stream par rapport à la Minute Rap, je tâcherai en tout cas de faire d'autres vidéos, d'autres contenus par rapport à ce que je serai en train de faire. Ça peut être du poker, ça pourrait être, je sais pas du tout. On verra en tout cas. Il y a nos limites, aucune frontière encore une fois. Je verrai où la vie me mène en fonction de là où je suis. Le contenu en disposera. J'espère que cette première vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres pour continuer et voir jusqu'où cette histoire me mènera. Quoi qu'il arrive, je fais tout ça encore une fois pour le kiff, le plaisir de vivre. Je le fais pour moi, pour tous ceux qui n'ont pas cette chance de pouvoir vivre les choses dans ce monde. Je pense à ceux qui sont dans les pays en guerre, les pays dirigés sous des dictatures. C'est malheureusement encore d'actualité plus que jamais à notre époque. Même si on a l'impression des fois quand on a des emplois, qu'on est entre guillemets des esclaves modernes, il y a des vraies personnes qui vivent encore un vrai esclavage dans ce monde, ne serait-ce que pour toutes ces personnes-là, où ça me donne des raisons en plus, en tout cas pour avoir cette envie de me battre, de me surpasser, de vraiment aller au bout des choses, de vivre cette expérience vraiment à fond, de pas être incarné dans ce corps, juste faire des choses que j'ai pas envie de faire, facile à dire qu'à faire, mais on s'accroche, on y va. Et voilà, que du bonheur, donc j'ouvre cette nouvelle page. Enfin, du positif, même s'il y en a déjà eu, mais je pense qu'aujourd'hui j'arrive à un moment où je sens que ça y est, des choses qui se mettent concrètement enfin en place. D'ailleurs, j'ai bien hâte de pouvoir recruter une équipe, le LW Alpha, comme son nom l'indique. Je recherche que des alphas, sous le sens où je veux des personnes ultra motivées, ultra passionnées, des personnes qui croient en eux, qui vivent de leur passion. C'est là, c'est en eux, dans leur tête. Globalement, tous ceux qui réussissent de manière générale, ce sont ceux qui vivent les choses à fond. Quasiment, on y pense H24, 7 jours sur 7. Donc on mange, je caricature un peu, hein, mais genre, les toilettes, sous la douche, en marchant dans la rue, en dormant, dans les rêves, comme ça, pff, les idées.
diffuse. Forcément, quand on est tout le temps comme ça, focus, ça peut que step up, avancer, évoluer. Et à un moment donné, on espère réussir, en tout cas, quoi qu'il arrive. Le fait de vivre tout ça, c'est déjà une réussite en soi. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, si vous êtes motivé à rejoindre l'équipe pour justement développer ce projet d'Esprit Libre Web, que ce soit sur différents aspects, même marketing, développement web et beatmaker, j'aimerais bien trouver un monteur vidéo. Parce que franchement, là, avec tous les projets que je mets en place, je commence à être débordé. Donc, si je pouvais trouver un monteur qui puisse m'aider dans tous ces montages, ça serait vraiment super top. Voilà, qui a envie de montrer ce qu'ils savent faire, qui ont simplement envie de vivre une aventure humaine et de partir à fond. Donc forcément, pour l'instant, il n'y a pas de revenus, c'est bénévole. Et voilà, plus on sera, plus on pourra développer le projet, plus on pourra créer des fonds, jusqu'à un moment donné, se faire des salaires. Ça serait vraiment top, c'est le but. En attendant, j'ai commencé aussi à développer la plateforme Tipeee, qui est une plateforme participative pour justement aider les projets à se développer. Si vous avez envie d'aider d'une manière ou d'une autre, même financière, chacun aide à sa manière. Un petit like, un petit commentaire, un partage, c'est pareil, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Avancer et partager et s'aider en fonction de nos moyens et de ce qu'on peut faire, c'est ça qui compte. Je suis super heureux, vraiment très très content d'entamer enfin cette nouvelle aventure d'Esprit Libre Web. Jusqu'où on va aller, je ne sais pas du tout. Merci en tout cas pour tous ceux qui sont encore là à regarder la vidéo. Merci pour tous ceux qui soutiendront ce projet. C'était Esprit Libre Web et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut. La première. Allez. Ah, ça, je sais pas, c'est chiant, ça. Hey, tu veux donner de la force? Like, abonne-toi, clique sur la cloche pour être averti des prochaines sorties, laisse un commentaire et partage autour de toi. Pour booster la chaîne, rejoins-nous vite sur la page Tipeee. Allez, osez rêver et envolez-vous.